Bonjour! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous montrer mon job de cuisinière dans un petit restaurant du centre-ville. Quand j'arrive, je commence par checker mes réseaux, puis mettre mon tablier pour ne pas me salir pendant que je cuisine. Aujourd'hui, on va faire une petite salade de carottes pour l'entrée. J'ai commencé par éplucher les carottes et maintenant, je les coupe. Oh là 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 là! Léo, c'est quoi ça? C'est un accident du travail, ça survient dans le cadre d'une profession. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, Juliette? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Là, tout de suite, là, elle va aller au médecin. Elle va prévenir l'entreprise et l'entreprise ensuite va déclarer son accident de travail. Mais comment elle aurait pu éviter tout ça? Il y avait un règlement intérieur qui stipule qu'elle doit pas utiliser son téléphone portable pendant qu'elle travaille. Et il y a des entreprises qui utilisent des EPI, comme des gants, ce genre de choses, pour qu'elles se protègent. Mais attends. En fait, Juliette, elle a reçu une formation? Ah ça, je sais pas, c'est une bonne question. Comment ça, tu sais pas? C'est super important. Dès qu'un salarié arrive dans l'entreprise, l'entreprise doit lui faire une formation sur la sécurité au travail, liée au risque sur son poste de travail. Et ces risques, on doit les retrouver dans le document unique. Ah, mais oui, c'est vrai! Il contient la fréquence, la probabilité et la gravité de ces risques.